Bonjour, bienvenue sur votre canal de santé, de bien-être et de loisirs créatifs, l'astucieuse maman et ses merveilles créations. Aujourd'hui, je partage avec vous 25 astuces pour ranger tous vos petits bric-à-brac. Alors, qu'est-ce que c'est que les bric-à-brac? Voilà, donc je vous explique. Le bric-à-brac, à la Lulu, c'est vos petites perles, voyez, vos petites boules, vos aiguilles, vos épingles, vos élastiques, vos chouchous, quand vous utilisez des petits chouchous pour faire soit le loisir créatif, soit pour vos enfants. Voilà, donc vous avez plein de petites choses que vous pouvez ranger. Donc je vais vous montrer le 25, pardon, astuces. Les pots que j'utilise. Alors voilà, donc moi j'utilise le pot que j'ai vidé des crèmes fraîches. Vous voyez, donc là, elle était vide. Et hop, je l'utilise pour mettre, eh ben, mes perles, mes petites boules, tout ça dedans. Et donc là, c'est la première. La deuxième, j'utilise les pots que j'ai vidé également l'huile de coco. Vous voyez, donc ça donne de gros boîtes comme ça. Ou encore plus gros. Vous voyez, un contenant encore plus gros. C'est pareil, c'est l'huile de coco. Voilà. Donc là, c'est le deuxième. Voilà. Le troisième, c'est ces petits donc éprouvettes. Voilà. Donc ces éprouvettes, je vais vous dire comment je les ai trouvées. Quand vous achetez les salades, c'est des petites éprouvettes où il y a la sauce dedans, la vinaigrette, dans les petites barquettes des salades que vous achetez dans le supermarché. Donc c'est à l'époque où je ne mangeais pas encore bio, donc j'ai pu récolter donc pour utiliser. Ça, c'est le contenant des épices et des condiments. Voilà, quand j'ai fini, eh ben, je le récupère, je le lave, j'enlève l'étiquette et voilà que ça vous sert à mettre vos perles. Ceci, c'est les contenants de yaourt, de yop, tout ça. C'est pareil. J'enlèverai l'étiquette. Voilà. Et ça permet de pouvoir mettre des petites perles, des petites boules, sans problème. Là, c'est le contenant de jus d'orange qu'on achète. Voilà. Et puis, hop, bah, une fois bu, lavé, séché, c'est efficace aussi. Ça, c'est un contenant que j'avais utilisé avec des tomates. Voilà. Et puis, bah, je lavais, j'enlève les étiquettes. Et puis, même si deux fois vous n'avez pas le temps, bah, vous voyez clair et net. Il n'y a pas de souci. Vous mettez vos petites boules, vos petites perles, vos petits élastiques. Ça, c'est pareil. C'est des contenants que j'avais utilisé de la moutarde. Voilà. Et donc, hop, pareil. Si vous laissez l'étiquette, vous voyez, il y a un côté transparent. Donc celui-là, c'est pareil, c'est un peu la tomate aussi que j'avais utilisé. Donc il est ouvert légèrement, lui, de ce côté-là. Voilà. Sinon, par moment, il m'arrive de coller une petite étiquette. Et comme ça, si vous avez envie d'aller chercher plus vite, trouver plus vite. Ça, j'avais fini des petites paillettes qu'il y avait dedans. Donc ces petits contenants, du coup, bah, je les ai récupérés à mon tour pour mettre des petites perles et y réutiliser. Hein? Voilà, ça c'est des comprimés que j'avais fini. C'est pareil, j'ai utilisé. Je mets des petites perles. Et là, dans ce cas-là, ce que je fais, je ruse. Je mets une ou deux petites perles ici et je mets du scotch pour que ça puisse voir la couleur qu'il y a dedans. Que je m'amuse pas à ouvrir tous les petits contenants comme ça. Vous voyez, voilà un petit style un peu comme ça. Celui-là, j'avais mis des petits
perles là, avec des lettres. Donc j'ai mis dessus et j'ai collé. Comme ça, je sais qu'il y a les petites perles avec les traits. Là, j'ai mis des élastiques. Alors, ce pot, il y avait un masque pour les cheveux qu'on avait fini. Et que voilà, ben, maintenant, il sert à ranger les élastiques. Donc, celui-là, j'avais acheté des fugues dedans, confiture de fugues. Et voilà que j'utilise pour mettre des petits chouchous. Vous voyez? Donc, je vais ouvrir, je vais vous montrer les petits chouchous qui sont dedans. Vous voyez? Donc, ça soit pour la petite princesse ou pour les loisirs créatifs. C'est parti. Là, c'est une boîte que j'avais acheté des écouteurs dedans. Je crois que si ma mémoire est bonne, des écouteurs, voilà, pour mon téléphone portable. Et du coup, bah, j'ai mis des petites perles, c'est pareil. Là, c'était une crème à base d'aloe vera que j'avais. Une fois que c'est fini, et ben, c'est parti, c'est pareil. Que j'utilise pour mettre les petites perles, les petits boutons. Ça, c'était pour des confitures qu'on avait fini. Et c'est pareil. Et ben maintenant, ça range les perles, voyez, et les petites paillettes et les petites. Ça, c'est pareil. C'était des petites épices thaï et des petites choses comme ça qu'on avait acheté également. Et puis une fois fini, tandoori aussi malgache. Et ben voilà, que ça range vos petites perles. Vous voyez, donc en plus le contenant est ouvert de l'autre côté. Vous voyez bien, c'est clair, c'est net. Là, c'était un contenant d'un petit jus aussi, jus de fruits, lavé. L'étiquette est partie à la lave-vaisselle tranquillement. Et ben voilà, j'ai récupéré sans problème. Là, c'est pareil, j'avais acheté des petites paillettes dedans. Donc une fois fini, je les ai récupérées. Donc j'ai mis aussi. Là, c'était aussi des petites paillettes que j'avais achetées dedans au départ. Donc, une fois terminé, les petites éprouvettes, je vais en récupérer aussi. Là, je crois que c'était des petites pincettes pour faire des boucles d'oreilles. Et donc, du coup, c'est pareil, une fois que j'ai vidé, j'ai récupéré et hop, c'est parti. Là, c'est pareil, c'était un Tupperware qui a commencé un peu à être vieillot. J'en voulais plus parce que maintenant j'utilise plus en plastique mais en verre, donc je me suis dit allez hop, il va servir au lieu d'être jeté à ranger les perles. Là c'était un contenant de petit jus pareil qu'elle buvait à l'époque ma fille, très ancien, donc j'ai récupéré, c'est pareil. Et ben du coup maintenant il range tout ce qui est bric-à-brac, les perles. Voilà, là c'est pareil, je ne sais plus ce que j'avais acheté dedans. Et bien une fois terminé, il est bon à ranger les perles. Là c'était du foie gras. Et c'est parti, voilà, qu'il est vide. Et maintenant il range ben, le perle, les épingles, comme je vous dis, tous vos petits bric-à-brac. Hein. Là c'était un pot de confiture, voilà, la fraise bio, c'est terminé. C'est pareil, c'est un contenant vide qui va ranger. Hein. Vous voyez, là, j'avais acheté une sauce, voilà, une petite sauce à la mangue pour les salades. Et ben voilà, elle est vide, la petite bouteille. Vous voyez, quand je compte, vous en avez 25 contenants différents pour vraiment pouvoir ranger tous vos petits bric-à-brac, comme j'ai dit. Que vous pouvez enlever les étiquettes, mettre une petite étiquette par-dessus pour vraiment retrouver plus vite, plus facilement. Voilà, donc c'est sans problème vraiment que vous avez, que vous pouvez ranger dans vos bacs de rangement de loisirs créatifs. Regardez, quand vous prenez comme ça un bac de perles, exemple. Avant, j'avais acheté ces petits contenants, c'était très petit. Il y en avait beaucoup, il y en avait plusieurs. Mais bon, du coup, comme j'ai trouvé tout ça, maintenant je vais bien remplir, bien ranger. Et dès que j'achète des perles, des épingles, des aiguilles, des boules, mais vraiment de tout, vous pouvez les billes, toutes les petites choses qui pouvaient aller partout, que vous ne savez pas, les petites fleurs, les petits cœurs, les petites étoiles, partout.
Voilà comment ranger, pratique, efficace. Allez, profitez-en bien.